Regard fixé sur l'horizon. Détermination et concentration lisibles sur son visage fermé. Marie Delattre de Maury, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin en kayak biplace, n'a rien perdu de son envie. 2 ans après avoir eu son premier enfant, Marie est revenue à son meilleur niveau. Mais comme toutes ses adversaires françaises, elle se doit de passer par les sélections annuelles nécessaires à son intégration à l'équipe de France de course en ligne. Je fais la surcadence. Et puis après, j'essaie quand même d'y rester un peu. Et puis après, ben, je me grandis, puis je finis, je pense. Les compteurs sont remis à zéro tous les ans. Et puis, voilà, quoi. J'ai été médaillée en 2008. Après, j'ai fait une pause pendant 1 an et demi. J'ai eu un petit garçon. Donc ben, là, il faut que je revienne. Donc pour moi, ces courses sont vraiment très intéressantes parce que ben, j'ai que ça, quoi. Et il n'y a que comme ça que je vais pouvoir revenir. Comme pour Marie, les kayakistes et canoéistes de course en ligne n'ont pas le choix. S'ils veulent accéder aux compétitions internationales, ils doivent performer au niveau national. Durant 3 jours, sur le bassin nautique du Val-Fouret de Mantes-la-Jolie, tous les athlètes se sont affrontés. Au programme 3 distances, 200 mètres, 500 mètres et 1000 mètres. Ceux qui ne passent pas la barre de ces 3 jours-là ne peuvent pas aller à l'international. En revanche, les sélections ne sont pas terminées puisqu'après on définit un pool d'athlètes qui part sur les Coupes du Monde. Par contre, ce pool d'athlètes peut se restreindre en fonction des résultats aussi effectués sur les Coupes du Monde. Donc on fera des tests d'équipage, hein, puisqu'après on constitue des équipages, des kayaks à 4 places, à 2 places, pareil pour les canoës. Et en fonction des performances obtenues, soit on change les équipages, soit on arrête certains équipages. Donc, des athlètes iront jusqu'au championnat du monde, mais certains pourront s'arrêter à l'issue des 2 voire 3 premières Coupes du Monde. Porter les couleurs de l'équipe de France se mérite, mais la concurrence peut parfois vous empêcher d'y accéder. Il faut donc être plus fort que ses adversaires, des adversaires français qui deviendront bientôt vos coéquipiers en équipe de France. Pour Sébastien Jouve, champion du monde K2 et K4 en 2010, ces sélections n'empêchent pas la cohésion du groupe. Il y a vraiment un esprit équipe de France, il faut venir au stage. Là cet hiver, on était au Maroc. Voilà, on navigue en groupe de 10 kayakom, tous alignés. Ou voilà, s'il y en a un qui est un peu dans le dur, il se met dans la vague et on le tire un peu jusqu'à la fin de la séance. Il y a vraiment un esprit et puis je pense qu'il y a une bonne ambiance qui nous tire vers le haut. On est tous respectueux les uns des autres et ça, c'est un facteur indispensable de la cohésion de groupe. On a des caractères vraiment différents, mais je pense qu'on se complète, quoi. On se complète, c'est ce qui fait vraiment l'équipe de France aujourd'hui. C'est une équipe homogène et voilà, c'est ce qui fait nos résultats aujourd'hui. À 57 ans, Evelyne Leroux connaît-elle ses premières sélections ? Handicapée par une maladie rare évolutive qui l'empêchera bientôt de marcher, elle est engagée dans la catégorie des paracanoës, une catégorie adaptée au handicap. Avec un bateau plus large pour un meilleur équilibre, Evelyne, seule à concourir pour les sélections, espère vivre une aventure sportive capable de lui faire oublier la maladie. C'est ma grande découverte en fait, ça fait que 2 ans que je pratique, donc c'est ma 5e compétition et c'est ma première sélection. Donc c'est vrai, malgré mon âge, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Elle-même l'affirme, les Jeux Olympiques ce n'est pas pour elle. En revanche, pour les autres, Londres 2012 est proche. Ces sélections lancent la saison, mais pour espérer participer aux prochains Jeux, les athlètes devront décrocher leur quota aux championnats du monde qui se dérouleront en Hongrie à la fin du mois d'août. Un objectif pour Mathieu Goubel. Moi, au travers de ça, ça doit être qu'une formalité, puisque là, cette année, je revis ce que je voulais faire l'année dernière, c'est-à-dire être champion du monde sur le canoë monoplace 1000 mètres. Et donc l'année dernière, ça a été un peu un échec. Donc cette année, je recommence le pari. Et puis tout ça, c'est pour aller chercher une médaille l'année prochaine aux Jeux Olympiques. Donc je pense que c'est une étape qui va me permettre d'être en bonne forme l'année prochaine. L'équipe de France de course en ligne pointée au 10e rang international après les Jeux Olympiques de Pékin. L'espoir est de rentrer dans les 5 meilleures nations mondiales et de décrocher de nombreuses médailles aux Jeux de Londres.